des portes closes à la mairie d'Akwa ce lundi. Les agents y ont posé leur piquet de grève. La liste de leurs revendications est longue. Certaines datent déjà de plusieurs années. Depuis 2021, nous demandons à ce qu'ils mettent en application la délibération sur l'attribution des RIFSEP qui date de 2016. Certains agents dans la commune ont eu ces indemnités depuis 2017, d'autres non. Des revendications qui seraient pour le moment impossibles à satisfaire, selon le premier magistrat de la commune. Nous avons choisi, nous, de notre part, de mettre en place les primes qui ne sont pas obligatoires, mais nous cherchons à améliorer les conditions de travail de nos agents. On l'a mis en place et on a respecté la loi strictement dans cette mise en place de cette prime. Alors les ATSEM, on nous a dit que la loi va sortir, mais la loi n'est pas encore sortie. Mais on avait dit aux agents que dès que la loi sera sortie, on fera en sorte à ce que les ATSEM passent sous la catégorie B s'ils ont tous les critères pour passer dans cette catégorie. Autre point de crispation soulevé, le harcèlement dont les agents feraient l'objet. On avait un agent qui a été malade suite au Covid, qui était obligé de justifier son arrêt maladie et de suite avec retrait de salaire, avec tout le temps des surveillances sur son quotidien. Des propos réfutés, là aussi par le maire. Jeudi, on avait discuté avec les mêmes syndicalistes et on leur avait demandé de décrire des faits de harcèlement. Nous, ce qu'on a compris dans ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude à ce qu'on leur demande de rendre compte. À plusieurs reprises, le premier magistrat a tenté des négociations à l'intérieur de la mairie, mais refus catégorique des agents grévistes. Le bâtiment restera fermé jusqu'à nouvel ordre, ces derniers préférant des discussions sur un autre lieu. La grève est donc reconduite demain mardi.